Voilà, nous revoilà donc. Alors, est-ce que vous entendez bien sur le jeu? Alors, je vais refaire du setting ici. Tout en lisant vos commentaires. Oui, japonais, oui. Tout ça, ça devrait aller. Ouais, bon, j'ai sélectionné normal, je voulais quand même vérifier. Oui, donc on est sur la démo de Nier Automata. Mais c'est quand même bizarre, quoi. C'est quand même bizarre, cette histoire. On a le son. Ah! Alléluia! Alléluia! Ave, ave, ave César! Ah, on a le son du jeu, c'est nickel. Ou alors c'était vraiment faiblement, pour le coup. Voilà, on a le son, putain. Ah, c'est génial. Ah, je suis content. On a le son, putain. OBS Studio, et franchement, par moments, tu me fais de ces peurs, c'est quand même assez incroyable. Hein. Oh, bordel. Oh, nom des dieux. On va pouvoir enfin stream tranquillement, les gars. On va pouvoir enfin stream tranquillement, mon dieu. Oh là 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 là. Ah, ça va bien, ça va bien. Vaut bien que je me détende après cette journée de merde. Mais enfin bon. Voilà. Alors, j'ai lu vos commentaires, tout ça. Oh, j'ai oublié de bouger, moi, mais quel con. T'attaques, on va faire comme tout à l'heure, on va tester un peu tout ça. Là, vous confirmez que vous avez bien le son. Et question bitrate d'ailleurs, question qualité. Bon, je pense que ça doit bugger un peu. Il doit y avoir quelques petits drops d'images ou un truc comme ça. Hein. C'est le live PS4, ça. Mais bon, t'sais. Il faut y avoir un petit. Oh putain, il faut y avoir un petit fou qui se met. Mais bon. Je mets juste en 720p. Hein. Je suis vraiment le nécessaire. Pour que ça aille mieux. D'accord, merci. Alors les boules là, ça se passe comment? Ouais, c'était comme dans le premier Nier, ça. Il y avait des boules aussi, comme ça. D'accord, hop, j'ai essayé de faire un max d'esquiver les boules là quand même. Ah, c'est vachement fluide, hein, mine de rien. C'est vachement fluide. Commande, d'accord. Des fois, je dois pas trop abuser des commandes, j'ai l'impression. Bien. Des fois, je suis vraiment une brêle, hein. Oh putain! Des fois j'ai vraiment une brêle à ce niveau-là. Hop là, parfait. Je vais voir. Ah, et c'est quand même beaucoup de spammage hein, de ton truc là, ton allié qui tire. C'est quand même vachement le spammage par moment. Hop, je vais t'enchaîner comme un gros bourrin. Comment est-ce que vous allez les gars? Ouais, Fabien. Ah ouais. Ah le pauvre. Ah, comment il s'est fait? Oula, qu'est-ce qui se passe? Oh putain! Oh là 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 là! Oh, c'est quoi ce truc? Salut Captain Foki! Putain, c'est quoi ce truc? Oh là là! Mon dieu! Oh putain! Oh là là! Ah ouais! Ah ouais, ça impose là! Putain. Oh putain! Oh, je me fais démonter ma race! Ah, je me fais démonter ma race alors! Je tire à distance toi quand même! Putain, le machin quoi! Oh là là, et oh, oh putain, mais ça va! Eh, hey, doucement! Eh, hey, oh, c'est quoi ça? Attends, c'est quoi ça? Ah, ok, j'obtiens des items comme ça. Putain, vachement stylé le truc. Oh, les flammes. Oh putain! Oh, mais c'est gigantesque ce truc, c'est incroyable quand même! Waouh! Ah ouais! Ok, ça m'envoie des boules en mode random. Ah ouais, j'ai pas encore vu Foki, faudrait que je regarde, mais merci pour Fabien en tout cas, c'est vraiment gentil pour toi. Putain, ah ouais, putain. Oh d'accord, changeons un peu. Yazer, ok, ça va être un peu dur, hein. Oui, c'est la démo de Nier Automata. Alors, selon JVC, je me suis même... Putain, je me suis même mal informé. Ils ont dit que c'était dispo que sur le store Jap. C'est con. Et après j'ai appris, parce que bon j'ai un compte Jap PS4. Hein. Mais j'ai été chargé à ce niveau-là. Et c'est con, bah ils ont pas dit qu'après bah c'était disponible sur PSN France. C'est boss. Ah d'accord, on l'a vaincu ici. Ah d'accord. Bon, c'est qui là? Attention à la grosse roue.
Ah, mais je l'avais vu dans des images de thriller, lui. Ah ouais, l'OST, elle est magnifique. Ok. Ouais, son con, chez JVC. Moi, je me suis fait chier à aller sur le compte Jap pour me choper la démo, quoi. En tout cas, amuse-toi bien ici, Foki. Et merci d'être venu, poteau. Super sympa. Ouais, Goliath. Apparemment, c'est tout le gros système. Ce que je vois. C'est quoi un peu les décors, tu sais. Fais voir. Hey, stylé quand même. Hein. Attends, fais voir. J'ai envie de voir un peu. Hop, fais voir ça. Putain. Ah ouais. Ah putain. Ah c'est génial. Ah oui. C'est bon, les déplacements. Ah c'est super fluide. Hein. Ah c'est excellent. Bon. Allez, on va partir en mission. De toute façon, on va... On fait une découverte de la démo en entier. Je sais pas combien de temps elle dure par contre. Ah ok, tu peux t'accrocher comme ça. Ouh, ouais, stylé. Les effets d'ombre sont magnifiques. Ouais. Locon. Oh, 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 d'accord. Ok, bon, c'est si gentiment demandé. Bah, moi, écoute, j'exécute. J'exécute à ce niveau-là. Ouais, ok. Des robots, des liens pas beaux. C'est super fluide, c'est super beau aussi, bordel. C'est. Oh. Les OST aussi, c'est quand même quelque chose. Fais voir. Attends, où est-ce que je dois aller? Ils me disent... Ah, d'accord. Ouais, je vois ça. Attends, je peux pas aller ici? Non? Non, c'est vraiment pas. Ici peut-être? Fais voir. Non? Attends, il y a un chemin là? Ça se passe comment? Pas sauter. Oh, mais le con! Mais le con! Oh là là, mais le con! Ah, c'est pas grave, ça arrive. C'est la découverte. C'est la découverte. Salut Drist! C'est la découverte. Mon dieu, Hadès, qu'est-ce que tu as foutu? Alors, hop. Oh, c'est stylé quand même. C'est surtout cette arme qui réapparaît derrière ton dos, que tu peux reprendre la main comme ça, c'est super stylé, je trouve. Putain. Ouh, ouais, c'est quoi ça? C'est qui me fait ça? Oui, oui, j'ai l'impression d'avoir un Bayonetta 3-like. Tellement le gameplay est vachement prenant, tout ça. Ça pète de partout et c'est vraiment excellent. Quoi. Putain, ah oui. Les explosions sont grave stylées hein, quand même. On remarquera. Alors qu'est-ce que j'ai eu? Fais voir. Qu'est-ce que c'est que ça? D'accord. Je découvre, hein, les gars, je teste des trucs. Ok, putain, mais ça a l'air tellement bien. Excellent. Ok, faudra que je regarde, Foki, ce que tu as fait pour Fabien, par ailleurs. Ok, ouh, on passe un peu à la 2,5D ici. Ok, donc on me parle. Qu'est-ce que c'est que ça? D'accord, ça va. Alors c'est toujours moi, hein, lorsque je découvre un truc comme ça, genre, je prends du temps. Attends, système. Ouais, je vais aller voir un peu la map quand même. Qu'est-ce qu'on a? Ok. Là, les items, les armes. Qu'est-ce que j'ai de bon? Putain. Waouh, ça a l'air complexe ce menu quand même. Ah, ça a l'air complexe. Ok, ben, pété Zatsuki. Putain, ça a l'air complexe, tout ce truc. Ah, ouais. Ouais. Qu'est-ce qui se passe pour le coup? Ah, d'accord. Ok, ok, ok. Ah, ouais. Ah, nickel. Ça a l'air vraiment... Ouh. Ah ouais, même le combat à main nue, il est... Ouais, oh, c'est quand même pas mal, hein. Ah, c'est quand même pas mal. Ouais, fais voir. Boum. D'accord. D'accord, faut que j'aille voir ça. C'est grave stylé. Putain, le décor, il est magnifique. Ok, donc... Passage 2,5D ici. Putain, waouh, ouais. Ah, oh, c'est trop grand, c'est trop beau, c'était magnifique. Ouh, ok. Ok. Ils sont venus comme ça, eux.
Ok, hop. Oh putain, oh ce coup de pied. Ce coup de pied, il était génial. Oula, oula. Je suis n'importe quoi là. Okay, je prends ça, je prends tout, oui, je dilapide un peu l'ensemble. Voilà, nickel. Ah, c'est parfait ça, c'est parfait. Allez, continuons. Ouh, je vais me casser la gueule. Oui. Théoriquement, on fait comment là? Attends. Ah, ah d'accord, tu peux bouger le robot. Ok, j'avais pas remarqué ça. Oh, ah. Oh merde. Oh non. Allô. Bon, au moins j'ai pu prendre un... j'ai pu prendre un coffre. Oh merde. Bon, c'est pas grave. Donc tu peux diriger ton robot et faire comme ça. C'est assez instinctif, hein. Assez instinctif, c'est bien. Les effets de motion blur, c'est vraiment magnifique. Enfin, motion blur, non, non, c'est pas du motion blur, c'est... Comment je vais vous dire ça? Les effets de lumière, les effets d'ombre, tout ça, ouais. Je dis motion blur, que je vise les ombres et la lumière, c'est tout... ça a totalement rien à voir. Bravo Hades. Alors, n'hésitez pas à dire au petit Benzo que je suis en train de live-er, je sais qu'il attend le live depuis tout à l'heure. Hop, il est un peu plus résistant, lui. Hop là, tu tombes. Ok, ouh putain, ah ouais, ah ouais. Ah la violence. T'es où? T'es là. Après Twitch ça dépend des jours, hein. Franchement t'as des jours où ça va aller nickel. Et t'as des jours où ça, franchement ça va faire de la merde. Mais genre, vraiment de la full merde. C'est dommage d'ailleurs. C'est assez instable Twitch, à ce niveau là. Qu'est-ce que je peux faire de bon? Ouais, on va voir au niveau des armes, je vais me préparer ici. Ouais, je vais quand même faire quelque chose à ce niveau-là. Fais voir. Ouais. Écoute, on va prendre ça. Okay. Donc t'as dessous d'âme, ça va. Allons-y. J'utilise OBS Studio ici, actuellement. Apparemment, ça va mieux. Ça va mieux. Parfait, putain, la destruction sont vachement en fait. J'avais vu une vidéo démo sur un boss mécanique, putain. Ah ouais, c'est la joie, quoi. C'est vachement la joie, putain. Par contre, ça risque d'être un peu dur hein, avec les boules. C'est comme le premier Nier, tu me diras. Ah, il y a une mise à jour? Non, je l'ai pas faite actuellement. Là, j'ai l'impression que ça va. Même s'il y a la première prise qu'on avait faite ici, pour tester, bah, il n'y avait pas de son du jeu, apparemment. C'est pour ça que bah, j'aime bien que vous soyez là, justement, pour m'indiquer. Ça va, putain, ça va pas... Attends, je suis n'importe quoi. Hop. C'est bien que tu puisses allier un peu ce tir, plus les coups d'épée, tout ça. C'est vachement bien. Ça fait très, bah, très Bayonetta, hein. Ça on peut se le dire. Pour l'instant, j'ai zéro image perdue, j'ai rien du tout, mais bon, je touche du bois, je croise les doigts pour que ça continue ainsi. Hop là, parfait. D'accord, merci Fabien. Ok, ok, ok. C'est là-bas normalement. Fais voir. C'est stylé, hein, quand même. Oh, la caméra, elle est bien éloignée là, quand même. Généralement, il prévient sur Twitter, je pense. Ou sur sa page Facebook, je pense que Fabien avait dit. Hop. Moi, je ramasse tout ce qui... Moi, je ramasse tout ce qu'on m'offre, hein. Écoutez. Ok, encore des escaliers. Ok, oula. On commence vraiment à entrer dans les usines, là, tout doucement. Toi, t'es mort. Par contre, ça risque d'être un peu dur s'il m'envoie des boules sur une 2,5 V. C'est pas trop pratique pour esquiver. C'est pas super pratique, là par contre. Parfait. C'est vachement beau. Waouh, ouais. Les effets de lumière, tout ça, c'est super. Ok. On
avance. Est-ce qu'il n'y a rien par là? Attends, on va voir. Ah bah si, il y a une échelle. D'accord, je me disais bien qu'il y avait quelque chose. Ok, ok. Oula. Par contre, la caméra, elle se barre un peu en couille, là, par contre. Ah oui, oui, oui. C'est... Waouh, c'est génial, hein. Ah, les OSC sont géniales. On... Ah oui, j'ai marqué, on obtient des G. Est-ce que ce serait du plagiat Final Fantasy? Ah! Ah! The Guilds! Salut Itachi, Fantasy. la box, elle va voler un jour, je pense. Je pense qu'elle va voler. Alors oui, Fabien, je voulais te dire un truc également. J'ai regardé un peu mes figurines ici. J'ai un peu trop peur sûrement d'y toucher parce que je trouve que c'est plus fragile que du verre, hein, c'est bon, c'est ma part, hein, pour moi. Mais je vais essayer de les nettoyer vraiment constamment ici. Il faudra voir ce que tu me conseilles. Moi j'ai un petit pinceau ici actuellement. J'essaie de faire ça, j'ai... Bon, il n'y a pas trop de poussière, hein, bon, moi je suis assez maniaque, donc bon, qu'il y ait de la poussière, tout ça, franchement, j'ai pas de risque à ce niveau-là. Ok. C'est bien, ça porte bien son nom, hein, de toute façon, Automata, Automate, ça porte très bien son nom. C'est fait d'ombre. Ah oui. Moi, tu vois, c'est avoir peur de trop toucher à figurine et qu'il y a quelque chose qui se détache, tu vois. Après bon, c'est peut-être un souci avec moi, hein, bien entendu. Parce que je suis hyper maniaque, tout ça. Ok, fais voir. Putain, ça a l'air tellement complexe, OMG. Oh là là, ça a l'air vachement complexe. Fais voir. Ouais, putain. Ah ouais, ouais, ouais. C'est quoi ça? Ah d'accord, c'est les espaces libres et tout ça quoi en fait. Waouh, ça a l'air tellement compliqué, mon dieu. Faudra s'y faire. Hein. Ah oui, faudra vraiment s'y faire à ce niveau-là. D'accord. Mais moi honnêtement, question nettoyage de figurines, j'ai vraiment... j'ai un petit pinceau, tu vois. Et je passe dans les petits recoins, tout ça. J'essaye de ne pas mouiller un truc, tout ça, parce que je ne sais jamais avec quoi. Comment dire ça? Je ne sais jamais si l'eau, tu vois, ça va abîmer la texture ou autre. Alors, fais voir les contrôles. Circuit, action, jump, heavy, evade, fire. Ok, ok. On est reparti. Sauf que, oui, je vais devoir vérifier ça. Waouh, ouais. Ok. Ah ouais. Ouh. Oh putain. Aïe. Eh oh. Ah oui, ça a l'air vraiment spécial. Ça a l'air vachement complexe comme truc. C'est vraiment une prise en main qu'il va falloir faire en tout cas. Ok, une vue du dessus. Ok. Ouh, c'est... Waouh, c'est clair bien la lave, hein. Ouh. Eh, c'est stylé. On dirait un shoot'em up là. La vue du dessus avec toutes les boulettes. Ah, ça a l'air tellement stylé. Ouais. Par contre, je fasse gaffe à ma vie, moi. Je vois ça. Par contre, un truc que j'ai trouvé excellent, c'est l'indicateur de dommage. Pas que... Allez, tu vois la vie de l'ennemi, c'est bien. Mais que... Aïe, tu vois vraiment les dommages que tu lui infliges. Ça, je trouve ça vraiment, vraiment génial, quoi. Vraiment stylé. D'accord, d'accord, Fabien. Merci. Mais après, Fabien, juste une question. L'eau, ça ne risque pas d'abîmer les textures des figurines? Après, tu me diras, ça dépend de quelle figurine, mais bon, voilà. Juste simple question. Oula. Bien se positionner, quand même. Ok, on est dessus.
prendre dessus la lave, tout ça, c'est génial. Ouais, ouais, faut vachement comprendre tout ça. Ouais, c'est bien ce que je me disais, Fabien. J'ai juste utilisé vraiment mon petit pinceau pour vraiment nettoyer, frotter les poussières et c'est tout, quoi. Juste dépoussiérer. Voilà, quoi. Level up. Ah, c'est bien ça. Excellent. Oh, c'est tellement un truc comme un shoot'em up, là, c'est magnifique. Waouh, j'adore ce gameplay. Oh putain, oh putain. Oh, cette esquive du dernier moment. Oh, je m'y attendais pas. Oh, je m'y attendais tellement pas, mon dieu. Boum, allez, crevez. Ah oui, je peux charger. Oh putain, oh le laser. Oh, c'est tellement stylé. Je ne sais plus, je pense qu'il sort pas longtemps après 2017, il me semble. Je sais pas si c'est en février ou mars ou une connerie comme ça. Rien à récupérer dans la caisse. Ok, ok. Alors. Oh, putain. Contre. Oula, ça va me casser les couilles par contre. Les boules. Ça va me casser les burnes. Alors. Là. Même les explosions sont bien faites quand même. C'est bien ça. Ah, vous êtes adorable. Après, vous en faites pas. Hein. Ce sera juste le seul jeu où on a un gameplay. Et que, bah après, moi, je veux bien inviter des gens sur Skype pour le traditionnel live visual novel, quoi. Donc, discuter avec les potos, tout ça, sur le chat. Hop, voilà. Excellent. Ok, plein d'ennemis. Je vois ça. Putain, on dirait des Benjamins. Ils ressemblent à des Benzou, eux. J'essaie un peu les combos aériens, tiens. Oh, c'est stylé. Hop. Oula. Parfois, ça me fait penser un peu à Ninja Gaiden, tiens, le système de gameplay. Oh, putain, t'es totalement tiré de travers, toi, par contre. Mais t'arrêtes de tourner tes bras comme ça. Voilà. Oh merde, ils ont des prix. Oh bah ça va, j'ai vite détruit, ça va. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Oui, Milo, on s'en bat les couilles. Pas les couilles, les mecs. Ah, même les mêmes questions aériennes, ça a l'air, hein. J'ai vachement stylé quand même. Boum. Oh putain, comment je l'ai envoyé dans le mur. C'est magnifique. Le grand copain de Benzou des mix, ouais, clairement. Oula, ah ouais, de nouveau une vue du dessus. Franchement, pour la gestion des boulettes, tout ça, la vue du dessus, je trouve que ça fait une belle esthétique pour référencer le côté un peu shoot'em up de la chose, quoi. Moi, je trouve ça vraiment stylé à ce niveau-là. Oula, putain de merde. Ça va sinon vous de l'autre côté, le live des fluides et tout ça. Je vois que j'ai zéro image perdue, apparemment. Soit ils ont remarqué quelque chose qui n'allait pas, peut-être qu'ils ont fait une mise à jour discrète, tout ça, hein. C'est probable, hein, c'est probable. Mais là j'ai plus d'image perdue pour rien, quoi, au moins. Bon, des fois il y a des soucis de son, mais bon, c'est pas grave. Au pire, ça dure 2 minutes à régler. Ça marche nickel. Ah, c'est excellent. Oh putain, oh. Ce laser qui a tout détruit. Ce laser qui a tout défoncé sa race. Ok, est-ce qu'il faut aller par là? Oui.
Ah, enfin dehors, ça fait du bien ça. Ah, alléluia. Et voilà. Ça marche nickel. Donc salut aux nouveaux arrivants. Ok, alors, où est-ce qu'il faut se diriger? Par contre, je remarque qu'il y a une espèce de très épais brouillard. Alors c'est peut-être parce que c'est une usine et que forcément la pollution, tout ça, voilà quoi. C'est un peu dérangeant ce brouillard. J'espère que ce sera pas présent tout au long du jeu. Ce sera un peu dérangeant à ce niveau-là. Mais bon, c'est qu'un détail. Écoutez. Ouais. Ok, là tu vois un peu la ville abandonnée. Très industrielle. Oh, oh, des oiseaux. Regarde-moi ça. Ok, ok. Alors, putain, ouais. Distance d'affichage, c'est pas trop sain quand même. C'est dommage. Très bon, c'est peut-être que c'est pollué, hein, c'est industriel, donc c'est peut-être un peu normal, hein, tu me diras. Peut-être, pour éviter les lags. Et comme pour un jeu comme ça, le 60 FPS devrait, devrait être vraiment aux petits oignons, bah moi je trouve que ouah, c'est un bon sacrifice pour le gameplay. Quoi. Hop là, ça me fait penser à Castle Makers of Darkness où tu utilisais tes démons innocents pour t'agripper en fait. D'accord Foki, merci beaucoup en tout cas pour toi. Ok, donc oula, un pont. Ok, alors... Ouais. Alors, cinématique... Qu'est-ce que ça c'est? Oula! Attends, c'est pas les trucs de tout à l'heure, ça? J'ai l'impression. Ah ouais! Ah merde! On va en combattre deux! Ou alors ça va me faire tomber le pont, je sais pas. Ah, c'est gentil ça, Foki. Ah ouais. Ok, combat de boss. Putain, c'est vachement impressionnant comme truc, hein. Oh putain! Waouh! La 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 la! C'est dangereux! C'est dangereux! Ok, waouh! Ah ouais. Je pense qu'il va falloir s'accrocher là quand même. Oula! Non mais tu peux vraiment pas les attaquer hein. Eh oh 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 oh. Eh doucement. Doucement. Doudou. Putain mais l'animation par contre des signes. Waouh. C'est sidérant. Voilà. Ça c'est génial. Putain mais tu peux vraiment pas les attaquer hein. Vraiment attendre le moment de pause pour... Putain mais putain. Mais non. Please. C'est bien, tu ressens bien que tu détruis vraiment la cible petit à petit quand tu les attaques, c'est excellent. Ah oui, mais prenez dans son butcher. Clairement, putain. Ah ouais, ouais, ça vraiment pas facile. Surtout deux en même temps, déjà que j'ai galéré pour une, alors deux. Alors, on va voir. Je peux pas attaquer. Ah, d'accord. Ok, ok, ça change à ce niveau-là. Qu'est-ce qui se passe là? Ouh, il y a quelque chose qui se trame là, moi je te dis. Oh putain, what the fuck? Oh putain, what the fuck, c'est quoi ce truc? Salut Metal. Putain, oh putain, oh là, non. Comment ça? Tu te fous de ma gueule? Non. C'est quoi ce truc? Ah oui. Oui. Oula. Oh là là, oh là 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 là. Oh putain, oh c'est gigantesque. Putain, oh putain, oh putain.
Bon, normalement, de quelqu'un de qui est normalement constitué, eux, ils crèvent. Hein. Oh là 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 là. Oh putain. Attention. Ah, mais j'ai pas le temps de taper là. Bien timer. Ok, les esquives, ça va. Et c'est vachement stylé les esquives. Voilà. Sur les temps passants. Ah non, mais les esquives, elles sont stylées. Oh là, mais c'est Shingeki no Automate, là, c'est pas possible. Ah, c'est génial, c'est génial. Oui. Ah d'accord, c'est l'autre, là. Tu pouvais pas venir avant, connard. Ouais, ouais, tant mieux. L'instance d'affichage ne fait vraiment pas tout, quoi. Ça fait pas un jeu. Ok, donc il m'assiste. Ok, 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 je vois ça. Putain, la musique aussi. Oh, la musique. Putain, mais ils esquivent, mon gars. Ça, c'est stylé. Ça, c'est stylé. Putain, mais tu combats carrément un énorme automate. Oh là là, c'est du noir, my god, quoi. Ouais, par contre, je remarque peut-être qu'on l'assiste, mais il perd très peu de vie. Hein. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Attends. Oh putain! Oh shit! Ah ouais! J'ai bien fait de me casser, en effet. Là. Ça, ça. Ah ouais, le jeu, il est magnifique. C'est un... Ah oui, ça, clairement, il est magnifique. Mais ça rame pas, bordel, ça rame pas, c'est constant, c'est dynamique, c'est excellent, ça, mais... Ah, je dis pas non, moi. Ah, mais il va me... Je commence... Ah, bah, si vous plaisez, bah, moi, ça me plaît également, les potes. C'est génial. Putain, oh. En regardant le chat, j'ai failli... J'ai eu un instant d'instinct, là. Pour esquiver. Hacking. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Une séquence cinématique. On va pas skipper, ça non. Ouais. Oula. Ok, il revit. Ah ouais, mais. Waouh, il est. Tiens bon, ce coup. Il tient bon, hein. Oh. Oh lolololo. Oh le pauvre. Ouais. Voilà. Non mais normalement, quelqu'un, il fait une chute comme ça, je suis désolé. Sa colonne vertébrale, elle est cassée. Il est paralysé à vie, hein. Ah bah oui, amusez-vous, c'est principal. Alors. Ah, on va carrément escalader le colosse. Ah, c'est Shadow of the Colossus-like. Ah, il revit! D'accord! Ah ouais, c'est vraiment Shadow of the Colossus-like, là, c'est pas possible. C'est impressionnant. Ok. Toi là-bas. Je peux rien te faire. Ok, putain. Structure, remarquerez que le détail en HD est vachement beau. Là, on peut vraiment dire que la PS4 est... Ah, quand même un bon catalogue. Futurement, ça va être vraiment excellent. Ah, je sens qu'en 2017, ça va être quelque chose. Hein. Question PS4. Ah, mais regardez-moi cette eau, elle est magnifique. C'est quand même magique, ça. Putain, mais t'imagines, t'es en train d'escalader le boss, là. T'es en train d'escalader le boss. Ah ouais, ouais, c'est... On est tranquille, on rigole ensemble. C'est nickel. Oh. Ah d'accord. Alors pour vous dire après, on va faire des visual novels. Les visual novels, si vous voulez, c'est un peu comme des livres version jeu vidéo. Putain. Des livres version jeu vidéo. Et disons que je peux inviter Fabien, hein. Je peux inviter Benzo également, si sa box ne sera pas trop. Et où on parle. Faut savoir que pour mes lives, à chaque fois que je change de jeu, je couperai le live. Pour les besoins des rediffusions également.
Ouais, voilà. Alors, toi. Je vais essayer de réparer ça. Eh ben, bon courage. Hein. Tais-toi. Just go. Ta gueule aussi. Oh putain. Ah, c'est. C'est excellent. Ah, mais c'est magnifique. Ah, je suis un. Putain, c'est tellement beau. Et je sais pas, se cacher de. Cacher les yeux, tout ça. Ça donne vraiment un cachet assez mystérieux. Quoi. Ah, on... non, on va contrôler. Non, sérieux? Ah ouais, vachement. Vachement, la VO, elle est vraiment d'une grande qualité. Ok. Alors, si on contrôle le mecha, enfin, le petit mecha qu'on a ici, ce serait mais une tuerie, mon gars. Non, sérieux. Attends. Oh, putain. Oh. Yeah. C'est génial. Oh, c'est cool. Attends, on va carrément le combattre avec ça. Vas-y, toi. Non. Oh, putain. Oh, c'est énorme. L'OST. Putain, c'est du malade mental, ce jeu. Ah, oh, je suis ambiancé là. Oh putain. Oh, la patate que je me suis ramassé. Non, non, pas deux fois. Oh, titanesque ce boss. Hop là. Et attention. Ah non, j'ai plus qu'à y revenir. Oh, mais c'est magnifique, bordel. Oh, c'est génial. Refab. Oula. N'y attendez pas. Oh, quel gars il prévient pas. Oh, mais c'est le charisme complet, ce boss. Impressionnant. Ça je pense qu'on peut le dire, hein. C'est vraiment impressionnant. En plus, je sais pas, t'as pas l'impression que c'est bloqué par des murs, tout ça, c'est encore, c'est l'inire. Oula, putain. C'est quoi ça? Oula, doucement. Fais voir. Ok, donc séquence d'esquive, oulala. Ok, il déconne pas lui. Boum, putain, waouh. Je compte me la prendre incessamment sous peu, la mini-nièce. Mais m'intéresse bien. Ok, what the f... Non, tu tournes ma gueule. Putain, waouh. Ouais. Putain. Oh lolo, mais c'est malade. Mais c'est du malade mental, ce jeu. Oh lolo. Carrément. Mais vas-y, quoi. Carrément l'arme. Ah ouais, il est... ça c'est sûr. Hop là. Allez. Boum. Badaboum. Yeah. Est-ce qu'il est mort? Parce que... ouais, il a implosé quand même. Donc normalement, ça devrait aller. Ouais. Ah, d'accord, c'est l'autre. Putain, il était épique, ce combat. Mon dieu. Surtout quand t'as pris l'arme, là, c'était le bras du boss. Ça, c'est touchant comme ça, mine de rien. C'est pas mal. Oh, il revit, là. Oh! Oh merde! Oh merde! Oh shit!
On est dans la merde. On est dans la merde totale. Oh là 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 là. The black box. T'es prête? Ouais, vous allez faire quoi? Je me tais, hein. Je profite. Black Ops Action. Oh, mais c'est impressionnant, tu vois carrément les grosses créatures approcher là. Qu'est-ce qui va se passer? Attends, ils ont l'air bien confiants en plus. Oula. Ouh, ok. D'accord. Et... Oh non. Oh non, c'est fini! Oh quelle horreur! Oh non! Ah, oh, j'avais adoré. Ah, quel dommage. Allez, hop, scène 2. Voilà. Bon, écoutez, on a fini la démo. Pouf, et ben, oh, c'était épique. Eh ben, putain, les gars. Alors, moi, j'ai adoré. C'est ce combat-là, contre le boss, quand tu prends son bras, que tu contrôles carrément son bras géant, que tu le... tu défonces le boss. Oh, c'était énorme. Le 23 février, putain, et ouais, ah, je me le prends, hein, le 23 février. Ah, et oh, je me le prends, hein, obligation. Waouh! En plus, ils finissent sur un bon truc, là. T'as envie de savoir la suite, tu vois. T'as envie vraiment de savoir la suite, à ce niveau-là. Oh là là. Oh, j'ai envie de savoir ce qu'il y aura, quoi. Ah, ça me donne envie. Quelle démo! Écoutez, moi je ressors sur le cul. Écoutez, excusez-moi de dire les mots vulgairement. Mais moi, franchement, à ce niveau-là, mais waouh! Ah, j'ai été impressionné. Et vous, d'ailleurs, votre avis sur cette démo de Nier Automata? Alors peut-être que je retente un peu en VR, tiens, ça pourrait être marrant. Déjà, il y a 4 modes de difficulté pour une démo, ça c'est bien. Pour arpenter un peu le gameplay du jeu et faire un peu le tour des contrôles basiques, tout ça. Faire le tour des skills également, parce que le menu il a l'air assez complexe aussi, mine de rien. Arpenter un peu la découverte du jeu avant le 23 février, ce serait quand même vraiment pas mal également. Ils ont vraiment été intelligents sur cette démo. Vraiment, vraiment, vraiment un truc de dingue. Jeu de l'année à voir, mais un très bon concurrent, ça c'est sûr. Ça a l'air excellent. Ça a l'air vachement excellent. Bon, mais écoutez, sur ce, je vais couper le live, mais ne vous en faites pas. On revient tout de suite pour du visual novel. Donc, moi, je vous dis à tout de suite, les gens. Et voilà. Achetez le jeu. Ce sera une tuerie. Tout simplement. Allez, bye, les gens.